La galerie Mont-Trésor est aussi heureuse de rendre hommage à l'artiste peintre roman lillois Différence, qui est en fait Samuel Bussière. Nous avons le privilège de vous présenter les 11 dernières œuvres qu'il a créées avant son décès en 2015. J'ai le plaisir de vous présenter sa sœur Myriam Bussière. C'est elle qui a donné naissance à cette exposition afin d'honorer sa mémoire. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Dans le fond, c'est un grand plaisir de vous présenter le travail que mon frère a fait dans la dernière année avant qu'il décède. Vous allez voir, c'est vraiment beau et il y a de l'émotion là-dedans. Puis je remercie Mélanie aussi d'avoir été là. Un vrai plaisir de t'avoir rencontré aussi. Puis merci à tout le monde d'être ici. Pour ceux qui ne connaissaient pas mon frère, ben, vous allez pouvoir voir ses œuvres. Merci beaucoup. Puis je lève mon verre à Samuel. Merci Sam. Bonjour, je suis Linda Fréchette, la mère de Samuel, l'artiste Différence. Laissez-moi vous parler de Samuel. Dès son jeune âge, Samuel est un enfant très perturbé. Toute sa vie, il a eu un combat entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que je peux encore le décrire comme un être intense. Qu'est-ce que je peux dire dans la dernière année de sa vie que je tiens à mentionner, c'est que moi et Samuel, on s'est beaucoup rapprochés par rapport à l'art. Ça nous faisait du bien à toutes les deux. On aimait toutes les deux qu'est-ce qu'on créait, parce que moi aussi, je suis artiste peintre. Et ça libérait beaucoup qu'est-ce qu'il y avait en dedans. Parce que son mal de vivre était fort aussi. Il s'accrochait à ça. Il croyait qu'il était pour réussir avec ces toiles-là, puis c'est ça que je tiens, j'aimerais qu'il réussisse, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Et puis, je peux vous dire aussi que dans la vie, si on a des moments difficiles, de se raccrocher à ses passions. Ça nous tient en vie. Puis se faire confiance, puis pas avoir peur de se faire juger. Qu'est-ce qui compte, là? C'est notre personne, puis on est unique. Faut pas avoir peur de qu'est-ce qu'on est. Fait que ça que je peux rajouter, de continuer, puis de pas lâcher. Bonjour, mon nom c'est Myriam Bussière, je suis la sœur de Samuel Bussière qui est l'artiste peintre Différence. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ces toiles qu'il a faites dans la dernière année avant de nous quitter. J'aimerais aujourd'hui rendre un hommage tout à fait particulier à un jeune artiste qui a donné, je pense, sa vie, qui a créé des œuvres tout à fait fantastiques, qui reflètent la lumière, la douceur, la souffrance, la compréhension des autres. Et je pense qu'il a donné sa vie par amour pour des personnes, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, mais dans les toiles, on voit une immense douceur, une clarté, une visibilité qui vient nous chercher directement au cœur et qui nous donne envie d'aider les autres d'une façon tout à fait personnelle. Je pense que toute la famille devrait être vraiment contente d'avoir dans sa vie et dans sa famille un artiste comme ça avec une âme aussi grande et aussi belle et aussi généreuse, je pense. C'est à peu près ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ses toiles. Avec tellement de tendresse, de douceur et en même temps tellement de souffrance que ça nous amène à penser qu'on devrait dans le monde avoir des gens qui pas nécessairement donnent leur vie pour les autres, mais
les amener à la compréhension des autres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jessica Bussiol, la sœur de Samuel Bussiol, l'artiste différence. Nous vous invitons à venir voir ses œuvres remplies d'émotions. Merci.